Et bonjour à tous, c'est Béronard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Far Cry 4, j'allais dire la Graal. Eh bien, nous nous retrouvons là où on s'est arrêté la dernière fois. Sauf que j'ai dû refaire un peu le parcours parce que quand je me suis arrêté, ben, ça m'a pas sauvegardé, voilà. Et du coup, j'ai pris ça. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Bon, c'est un peu fait remarquer, mais c'est pas grave. Bon, j'ai pas non plus plein de munitions. Hop, 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 hop. Alors on va tout de suite changer d'arme. Merde. Bon, ça commencerait fort. Bon, le sniper, c'est pas... Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. J'aimerais bien un sniper qui fasse pas de bruit. Bon, je vais quand même sniper les deux trucs qu'il y a là-bas. Peut-être ça. Ouais, voilà. Une balle, j'en fais deux. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu les attendre. Voilà, donc du coup, ils sont en train de me chercher, mais pour l'instant, ils ne me trouvent pas. L'avantage, c'est que là, je peux me planquer. Et si je me mettais comme ça, ce serait mieux quand même. Je ferai moins de bruit. Secteur sécurisé. La menace a disparu. Ouais. Je ne suis plus là. Restez bien sur vos gardes. Alors, où est-ce qu'ils sont? On essaie de les repérer un petit peu. J'en ai un là-bas, mais il est loin. D'accord. Ok. Bon, visiblement, ils ont l'air d'être un petit peu loin. On va essayer de se rapprocher. Ah, il y en a un là. Ok. Bon, le problème, c'est que mon truc qui fait du bruit. Mais oui.
T'as jamais enfoncé un couteau dans le cul? Ça va venir! Merde, merde! Allez, oh! Merde! Ah, chien! Bon, du coup, ils vont tous arriver. Alors, on va se mettre un peu comme ça. Alors, ils vont se calmer. J'ai pas de visuel sur le gamin! Non. Je suis un peu tendu, un peu, voilà. Y a rien du tout, non, il n'y a rien. Repartez. Les gens sont morts comme ça. En fait, ils ont éternué trop fort et puis... voilà. Puis ils sont morts. Tâchez de le repérer. Ouais. Plus qu'un. Bon, ben, je crois que c'est bon. On va quand même avancer prudemment. On va quand même avancer prudemment. On va se refaire un peu de... Putain, il y a du... Il y a du lourd, là. Il y a du lourd. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Bon, je sais où il y en a. Au cas où. Alors j'ai des munitions, je vais me refaire un peu parce que... Voilà. Un gilet pare-balles, c'est pas de refus. Allez, allez, on prend tout, c'est bon. Bon, je vais quand même me mettre en sneak pour être le plus... enfin le moins visible possible. Mais bon, normalement, je devrais avoir fait les trucs, là. Je devrais avoir un peu tout fait. Mais il y a du matos, hein. Oh, 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 oh. Merde. Comme quoi il vaut mieux se mettre en sneak, hein, parce que... On est un peu moins visible. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien foncer dans le tas, mais moi c'est pas... J'aime pas. Voilà, j'aime bien aller tranquillement. On va prendre le pont de singe. On a un peu exposé là-dessus, mais... On a quand même fait un peu le ménage. Donc là, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. D'accord. Alors, par où est-ce que je passe? Le moment où on se dit, par où est-ce qu'on va passer?
puisque normalement on doit aller là-bas. C'est quoi ce bruit? J'aimerais me refaire un petit peu en munitions. On va aller par là. Il y a un coffre. Ok, bon, on s'en fout. On va sauter là. Hop. Voilà. Oh, oh. Nous y voilà. Oh, oh. Oh merde. Putain, il s'est cassé. Qu'est-ce qu'il va rouler? Oh, double frag. Merde. Ah zut. Là, je suis un peu mal. Bah c'est bien, il vient comme ça. Il veut jouer à cache-cache, j'arrive. Il faut qu'on le trouve, mais vite. Gay, putain, sors de là. Finalement, c'est bien. Ah, j'aime bien les snipers, mais ça fait du bruit, ça. Voilà quoi. Ouais, je l'ai eu. Bien. Je viendrai te chercher dès que j'aurai mangé mon petit déjeuner. Super. Je n'ai même pas la galère pour trouver du bacon dans le coin. Terminé. Oui. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Si tu veux, tu viens me chercher. Bon, bah c'était pas, hein, c'était pas insurmontable cette partie-là. Alors, éliminer le lieutenant. Oui, je suis où là? Je suis quoi? Airlines, mon poussin. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant sur Yuma, je te recontacte. Je suis quoi là? Ah, je dois être en windsuit là. Hein, je pense. Et du coup, je sais pas où je vais. Bon, on va par là. On va par là. On va aller. On va aller par là. On va atterrir par là-bas. On va essayer de pas trop se faire des arbres. Un petit conseil, EJ. La prochaine fois que tu veux te faire inciser quelque chose, passe par un professionnel. Même s'ils font un peu peur par ici. Tu sais qu'à cause de ta mère, j'ai parrainé une classe entière d'élèves pour aller étudier la médecine à Singapour. Et ils ne sont jamais revenus. Te rends-tu compte de l'ingratitude? Paul s'est occupé de leur famille, ici, au Kirat, et j'ai envoyé mes contacts à Singapour pour les trouver et les récompenser de la manière la plus appropriée. Ah, on s'est bien amusé. Mais voilà, maintenant je me retrouve à m'auto-arracher mon propre furoncle. Gary! Apporte-moi la gaz et l'antiseptique! Putain de merde! Ah, l'autre qui pète un câble. Alors... on va regarder un petit peu ce qu'on a gagné. Compétences. La mort vient d'en haut. Ah, j'ai libéré des trucs? Non, j'ai libéré rien du tout. J'ai juste 27 points de compétences.
Je vous raconte même pas que quand je vais faire sonner deux cloches d'illumination à Shangri-La, encore une, eh ben on va peut-être faire ça. Et j'aurai respiration contrôlée. Ouais, cool. Et puis là, il faut que je fasse encore. Terminer la mission, une clé pour le Nord. Bah, celle-là, je ne l'ai pas encore vue. Justice et vérité, je ne l'ai pas non plus. Clé pour le Nord, ouais. Voilà, force, machin, durée prolongée, durée prolongée. Atteint niveau 2 dans l'arène. Terminer une quête, Yugi. D'accord, bon. Bon. Ok. Ok, alors on va déjà faire une petite quête. Là, où est-ce que je suis? Je suis à l'usine de briques, d'accord. J'ai pas une petite quête là quelque part. Ah, ça. Il faut faire sonner les cloches de Shangri-La. De Shangri-La. Ça va pas être simple là. Ça va pas être simple. Allez, on va faire une quête Yugi et machin. Déplacement rapide. Allez, on y va. Où est-ce que j'ai. Ah, c'est peut-être là-haut. Je cherche l'armoire pour me refaire en armes et tout ça. Et puis j'ai reprendre le perforateur. Bon. J'aime le perforateur parce qu'il est. Il est silencieux. J'aimerais bien trouver. C'est quoi ça? J'ai vu déjà ce machin? Ouais. C'est dedans. C'est dedans. Putain, je sais plus ici où est le truc. Je peux monter là? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je crois que j'y suis jamais allé. Ah non, c'est juste des feuilles comme ça. Bon, soit. Bon, je sais où ils sont, Yugi et machin là. Alors, elle est où l'armoire? Elle est où? Elle est où? C'est dingue ça. Et là où je l'ai pas vu. À moins que je sois passé devant sans la voir. Ah bah si elle est là. Suis-je bête? Vous l'air me débloquer. Ok. Vente rapide, oui. Je t'ai personnalisé. Alors en fait, je vais prendre ça. Ça. Et puis je vais me reprendre. Ok. Sélectionner. Accessoires, canon, lunettes. Lunettes haute puissante. Acheter. Oui. J'ai amélioré. Oui. Canon. Silencieux. Oui. Bon, alors on va peut-être. Bon, on va garder. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va regarder un peu ce qu'il en a. Waouh! Hop! C'est pas qu'on descend, c'est pas qu'on descend. Là. Ça tire dans tous les sens. Et la porte est là. Allez, on va aller voir Yugi et Yo machin là. Yugi et Régis, je sais pas quoi. C'est parti.
Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, les deux moustiques, là? D'accord. Putain. Tu vois? Ça marche! Je te l'ai dit, je le voyais à travers les murs. Hein? Oh là. Ton char, tu l'as entendu marcher? Non, 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 tu sais que je suis sourd d'une oreille, tu te souviens de ça, Opolo? Ouais, le joueur de trombone. Ouais, le joueur de trombone manchot. Enfin, maintenant qu'il est arrivé, manchot. Tu vas pouvoir être d'accord. Tout à fait. Mais, c'est notre invité, on doit être poli. T'inquiète, ça c'est de la super bonne. Mmh. C'est un joint du troisième âge. Avec ça, tu vois à travers les murs de la perception. D'accord, et l'autre avec sa coiffure de poney. Pour sentir l'effet. Ouais, c'est jamais une bonne idée, Yugi et Reggie. Dommage. Bon, alors ça va être quoi ce coup-ci? C'est quoi ce bordel? Cool. D'accord. Et puis faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Super. J'ai vu un truc là. Surprise, d'accord. Super. Par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, c'est des ours. Waouh. On va essayer de passer sans se faire attaquer. Ça c'est clair. Trouvez Yugi et Reggie pour récupérer votre équipement. On va essayer. Ils sont où? Waouh. Oh la vache. On va essayer de pas trop se faire remarquer. On va essayer de pas se faire remarquer. Que ce soit par les bestioles ou par je sais pas quoi. Waouh. Bon là je peux pas passer par là. Oh les couleurs.
On y arrive. C'est pas ça. Reggie. C'est vous ? Mon Dieu. Oh merde ! Qu'est-ce qu'ils m'ont fait prendre, putain ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Wow. Putain, d'accord. D'accord. Bon. Soit. Putain, 200 mètres. Je sais pas du tout où je vais. Oh putain. Mon dieu. Un choc. C'est l'épisode psychédélique. Là, c'est l'épisode psychédélique. Moi, je suis sur une route, là. Putain, puis avec la musique, comme ça... Notre ami, Shiva, il nous vient de très loin, en quête de réponse. Nous pouvons les lui donner. C'est ça, oui. Ils sont... quand même, feuille jaune, ouais. Ils sont là. Oh merde. Non, encore. Bravo, bravo. Casse-toi. Non. Encore. Il est où mon petit truc, là. Ici. Ça me met pas la route. Merci de me mettre la route. Non. Waouh. Oh mon dieu. Aïe. Le mec il s'enfuit. Aïe. Non pas les yaks. Oh putain, je sais pas où je suis. Hop. Par là, ils sont là. On descend. Peut-être moi je vais monter là-haut. Merde. Putain, alors se battre comme ça, bonjour. Ils sont. Putain, comment j'arrive là-haut? Putain, avec les couleurs comme ça, je vous raconte même pas. Comme c'est un peu dur de jouer. Moi j'arrive quand même un peu à trouver mon chemin. Oh merde. Oh, évidemment.
Oh putain. Heureusement. Oh putain. Heureusement, j'ai les ours qui me protègent. Ah, ah, j'ai les ours qui me protègent. Oh putain. Je vais prendre ça. Je vais reprendre mon petit machin. Hein. Je dois aller maintenant par là. Je vais un peu tout droit là. Allez, YOLO, tout droit. Oh, putain. Ah, mon dieu, mon dieu. Ah, oh putain. Faut que je descende, faut que je descende. Ah, putain. Hein? Oh la vache. C'est où je dois aller? Par là? Bon. Ah, le vol plané. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Aïe. Je me souviens pas d'avoir fui ça. Moi aussi, malheureusement. D'accord. Oh la vache! Comment t'as... Comment c'est... Oh, c'est plus dégueu que ce que je croyais. Oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? C'est que 30 secondes. C'est pire après. Après, Jeff! Je vois que ma petite concoction a eu de l'effet. Oh, non, putain, les deux branleurs. La nôtre. Ouais. Vous m'avez drogué. On t'a proposé. T'as dit oui. Ouais, puis on n'a rien dit. J'ai rien dit. En plus, maintenant, t'as la recette. Ouais, comme ça, tu pourras profiter de ses effets dès que t'en auras envie. Comme un super pouvoir. Exactement. Et on en a un paquet en stock. Reviens nous voir la prochaine fois que tu voudras t'envoyer en l'air. Ok. En attendant... Bonne thé. D'accord. Mission terminée. Ouais. La vache. De chasse prolongée. Ah, un dérailleur a été bloqué. D'accord. S'il faut en passer par là, visiblement, non, ça serait plutôt... Bien, et ben nous on arrive au terme de cet épisode un peu spécial, on doit dire. Un peu spécial, un peu spécial. Et je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode de Far Cry 4. Ciao, ciao.